Donc, je vais. Voilà, donc Windows. Là, je vais installer un projet, je vais créer un nouveau projet. Il y a un document également que je vais partager, je vais venir sur cette partie-là. Une copie là. Là, j'explique un peu de manière un peu technique l'environnement et ce dont on a besoin pour vraiment travailler avec React.js. Il y a pas mal, pas mal de frameworks. Hein. Donc, pour travailler avec React, il suffit tout simplement d'installer Node et NPM. Si vous voulez également ajouter cette bibliothèque-là avec Create React App, avec NPM install ou bien moins JS global, ou bien YAML global app. Ça, c'est le premier technique. Dès que vous avez maintenant Create App, vous allez pouvoir créer. Grâce à ces commandes-là, Create React App, ça, moi, je l'ai déjà fait. Ou bien, ne pas en fait, ajouter ça, utiliser la commande de la doc, en fait, voici. Donc, vous avez des versions qui vont se référer à ces caractéristiques. Avec NPM, Create React App, et vous, NPX, Create React App, vous avez vu, là, on l'a ajouté, mais là, même avec la documentation officielle. Donc, c'est avec NPX, automatiquement, il fait des deux actions en même temps. Voilà, et après, vous entrez pour démarrer, voilà, avec NPM Start ou bien YAML Start. Voilà, donc, c'est très simple. Ce qu'on va essayer de faire, donc, je vais faire copier-coller. À partir d'ici. Voilà. Si peut-être vous essayez ça, ça marche pas. Vous avez vu d'autres techniques. Allez, cette technique-là, vous tapez d'abord npm install. Si npm pose des problèmes, utilisez YAML install. YAML global app. Après, il n'y a pas créer un projet, c'est cette commande-là. De toute façon, avec moi, toutes les techniques marchent. Hein. Ça prend du temps là.
Bon, maintenant que ça démarre, je peux utiliser celui-là. Enfin. Un peu de déjà. Voilà, donc je vais utiliser ce terminal-là. Donc, NPX create backup et après je vais l'appeler admin. Il va l'appeler le document, il va installer le document, il va installer React, il va installer également React dedans. C'est pour la partie architecture React dedans et le script.
Voilà, donc c'est installé. On me dit que pour démarrer, maintenant il suffit seulement de client install ou bien un client install. Voilà, donc je pense que là, je vais utiliser. Question pour la suite. Hein. Ok, donc je vais faire un petit peu de LS pour voir. Voilà, donc c'est ça. Là maintenant, je vais voir Yann Star. Je vais démarrer le projet. Voilà, donc nous avons cette interface-là. Donc l'application est compilée et exécutée aussi. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, je vais m'inspirer de ce projet-là pour aller très très vite. Déjà, vous avez un peu compris le principe hein, et le fonctionnement. Je reviens rapidement sur ça. Là, le fichier de base, c'est ce fichier-là. Ça, c'est le fichier où est. Définir les dépendances, c'est un peu comme le fichier composé qu'on dirait. Et à chaque fois que je fais en fait ici un nouveau script, une dépendance, ah, donc vous exécutez pour que voilà, la dépendance soit ajoutée au niveau du fichier de notre module. Après ça, maintenant il y a le dossier public qui est très important parce que c'est dans ce dossier-là où se trouve la page de l'application, ce qu'on appelle application single page, c'est-à-dire tout le monde autour de ce fichier-là. Là, dans cette valise. Toute l'application exécutée. Si vous enlevez, c'est l'application n'a plus de sens. Tout tourne autour de ce fichier-là. Et comment? À partir de composants et de ce fichier-là. Donc, il y a ce fichier-là qui s'appelle index.js. Il va faire quoi? Il va dire, OK, je vais chercher un composant nommé app. Et ce composant, je vais tout simplement le charger à l'intérieur du loop. Et le loop, c'est écrit quoi? Document.getElementById. Si on fait ça, automatiquement, il va me charger dans le groupe qui est là, parce que l'ID est tout autour de ça. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, et en fait, tout qu'on peut faire avant 18h. Voilà, donc je vais commencer par déjà le fichier index ici. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est qu'on doit juste ajouter, en fait, ce tirel-là. L'IRL de Bootstrap. C'est juste ça, c'est pour avoir juste Bootstrap en fait. Donc, je copie ceci et je reviens là au niveau de index.html, dans le header quelque part, comme ici. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, deuxième chose,
Je dois, en fait, ici, au niveau d'app, créer un menu. Je vais le faire tout de suite. Je vais voir le contenu de l'app. Là, app.js. Hein, hein. C'est ici qu'on va créer un petit menu. Et ce menu-là, c'est créé à partir de Bootstrap. Hein, ça, tout ce code-là. Ce qu'il faut faire, c'est que vous venez ici dans Google. Là, on écrit Bootstrap menu. On va aller vite en fait. Bootstrap menu. Une fois que c'est fait, vous allez dans le site de Bootstrap avec les navbars. Vous allez voir des exemples de modules. Vous regardez d'abord le format, ça lui le rendu, avant de le quitter. Voilà. Donc, un exemple de menu est là. Si vous voulez, c'est le menu. Et là, c'est le construit. Vous pouvez mettre à faire copier-coller. Là, c'est navbar. Là, ça également, c'est un exemple de menu. Et voici le processus qui permet de faire qui en bas. Voilà. Donc, c'est très simple ce que j'ai fait ici. Alors, donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contenu de ce fichier-là, de app, et je vais le mettre dans votre fichier. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que c'est ça qu'on appelle le render, le rendu. C'est un ensemble de. Bon, comme, je pense que, React est un ensemble de composants avec des rendus. Voilà. Donc, chaque rendu qui est appelé va tout simplement charger son contenu. C'est ça, en fait, le return. Et l'instruction export veut dire quoi? Que app, le composant peut être importé dans un autre fichier. Donc, je vais prendre ce code-là et je vais mettre dans notre app. App, le moment, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste, en fait, le logo. Et ça, c'est le contenu de la page d'accueil par défaut, en fait, c'est-à-dire cette page que vous voyez là. Voilà, son contenu, c'est le contenu de app. Donc, je vais tout effacer, tout ça, et remplacer. Juste rendu que je peux remplacer, même si je veux aussi, et laisser l'export en bas. Parce que c'est mieux. Au lieu de prendre tout ça, je prends juste le rendu et je vais remplacer par un menu. Comme ça. Je laisse le reste. Je vais écraser le rendu là. À la part, le rendu que je viens de copier. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons en fait une page d'accueil. Avec slash ici, nous avons également un menu pour la liste des utilisateurs, un menu pour ajouter un utilisateur avec ce gérable. Okay. Donc, si je reviens ici, et j'actualise, je vais prendre en compte les... Voilà, maintenant là, il me dit quoi? Il y a un souci. Le souci, c'est quoi? C'est que, bon, déjà, on essaie de voir un peu les paramètres. On attend un peu, on va récompiler tout ça. Voilà, et là, maintenant, nous avons ceci, c'est juste le menu. Hein. Maintenant, quand je clique ici, je suis au niveau de la racine du projet, c'est comme ça. Mais quand je clique là, on a en fait ici l'URL, et là aussi, mais il n'y a pas de résultat. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un peu comme du HT Access. Dans le HT Access, quand vous écrivez ceci et vous ne gérez pas bien les URL, vous écrivez ceci, un exemple, user. Et que user marche. Si je fais à la fin, S, etc. L'HT Access, tant que vous ne délimitez pas, c'est le même principe avec les URL de React. C'est-à-dire, si vous ne délimitez pas bien, dès que la racine marche, parce que là, l'URL là, c'est l'URL de app. Je vous montre un peu. Voilà. C'est ce qui est défini un peu à la racine du projet, quoi. C'est-à-dire, là, au niveau du fichier index, dès qu'on lance l'application par défaut, on a accès à ça. Mais moi, je vais venir dans notre application ici. Voilà. C'est-à-dire, dès qu'on démarre l'application, par défaut, nous sommes au niveau d'app. Donc, tant que la racine est OK, les autres, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de définir aussi ces URL de cette manière-là. C'est-à-dire, en précisant bien les URL. J'ai vu que ici c'est chez app. Ensuite, nous avons liste user, app user, etc. Après, je vais vous montrer un peu ces histoires-là. Ça, bon, quelle soit ce que vous allez écrire, ça va marcher parce que le slash marche. Mais dans ce que je vais faire, je vais prendre cette partie-là, const. Donc, je prends ça que je vais définir ici. Voilà cette route. Et à ce niveau, ce rendu-là, je vais le remplacer maintenant par la constante. Je mets ici, comme ça. Et puis,
Comme ça. Maintenant, ceci a un petit souci parce qu'il nous faut des composants. Là également, ça ne marche pas, il y a des erreurs parce qu'il y a des composants que nous devons ajouter. C'est ce que vous devez faire tout de suite. Et voilà, déjà là, je vais importer maintenant la partie du film en fait. Je prends des imports. Voilà, le film est là. Ici. Alors, vous allez voir maintenant que les composants là ne résolvent plus de problème. Par contre, quand je discute au home, il y a des erreurs parce ici, voilà, app est déjà importé. Mais par contre, quand je discute, on vous dit qu'il y a un problème parce que le schéma là n'existe pas. C'est-à-dire que je n'ai pas encore un de ces composants. Mais cette partie-là est OK. Par contre, vous avez vu, en fait, à l'exécution, ils ont vu ça. Hein, on dit qu'en fait, il y a des éléments qui n'existent pas. Ils ne voient pas edit, ils ne voient pas group, ils ne voient pas delete, etc. Donc, ici, je vais créer un sous-dossier dans SRC, nommé component, un peu comme notre chemin là. Un peu comme ce composant-là. Donc, un dossier que je vais appeler comme. Comme ça, component. Maintenant, dans le dossier components, on aura un fichier de mes adviseurs. Quand je gère, c'est le style user extra. Donc, je peux les fichiers. Voilà. Il est en train de voir, en fait, il ne le voit pas. De toute façon, à chaque fois qu'on crée, il le compile. Hein. Alors, donc, je vais faire ça. New. JavaScript file. Le premier fichier, c'est add. Le deuxième fichier, c'est liste. C'est éditivisé. On peut ce qu'on a défini dans notre web service. Hein. Après ça, il y a éditivisé. Ce côté, c'est bon. Ensuite, si je vais ici, regardez bien si je vais au niveau du truc, il me dit en fait, il y a en fait, une dépendance qui ne voit pas le RF. Je peux la jouer parce que c'est une dépendance externe. Dans ce cas, j'utilise YAML. Maintenant, vous pouvez utiliser YAML. Donc, YAML app, j'ajoute dans le projet. Il va télécharger pour l'ajouter à l'intérieur. Il y a YAML. Maintenant, vous, si vous utilisez npm install, c'est comme un peu comme composer install en fait. Donc, il va essayer de s'exécuter. Alors, en attendant, maintenant, moi, je vais en profiter pour mettre le code de app sur une classe. Donc, je vais prendre le composant. Hein. Le composant est là. Voici app. Je vous explique un peu le code source. Donc, c'est juste un composant nommé appviser qui permet d'ajouter un utilisateur. L'utilisateur est calculé par un nom, prénom, email, password. Nous, on a en fait l'état, le statut qu'on va ajouter. Donc, je vais prendre tout ce code, après l'intégration, on va essayer de voir comment on va l'adapter en fonction de nos besoins. Je pense ici, je vais mettre dans Add. C'est intégré avec React qui est composant React. Et nous, ce qu'on a à faire, il faut qu'on mette en fait ici status. On a en fait status à gérer. Ça, c'est un format JSON en fait. Voilà.
Donc, ce sont les propriétés. Comme c'est une classe, export class, c'est une classe. Et export signifie tout simplement on peut faire un import. Si vous voyez ici, c'est bien écrit ici, import même de adviser. Voilà, c'est parce que ici, on a défini que si on peut l'exporter. Maintenant, si on revient là, il va plus dire la même chose normalement si c'est recompilé parce que on a ajouté rien qui fait bon. Actuellement. Très bien. Là, comme j'ai ajouté la voilà, donc ça marche maintenant. Si j'écris sur Add aussi, voilà, j'ai vu le formulaire là. Ce formulaire n'est rien d'autre que le code que je viens d'ajouter. Ce code-là. Voilà. OK. Donc, je vous explique un peu le code. Vous créez votre formulaire avec les champs nom, prénom, email, password. Nom, prénom, email, password. Je vais ajouter toute variable maintenant que vous définissez dans votre classe. Au niveau de PHP, vous le définissez ici comme étant une propriété. Là, je vais ajouter ici status aussi. Là aussi en binding status. Après ce binding là, je crée également une fonction en bas d'événement, événementiel, comme ça. Pour status aussi. Au niveau du formulaire également, je vais dire que c'est écrit. Bon, après, ce sera plus simple avec celui qu'on va dire. Ok. Ici, vous créez un formulaire comme c'est un HTML standard. Hein. React, tous les frameworks là, c'est HTML, c'est JavaScript. Donc, ici, ce sera status. Ensuite, là également, on va mettre ici un status. L'événement, c'est status. Status, c'est tout pour je parle du texte. Name. Status. ID également, status. Donc, ici, en fait, les statuts qu'on a ajoutés maintenant, quand on clique sur le bouton Submit au niveau du formulaire, il y a une fonction qu'on va appeler, c'est la fonction de main, handle add. Voilà, donc cette fonction est définie ici. Voilà. Comme c'est un poste, tout à l'heure on l'a vu avec, avec Postman, on récupère toujours un poste, c'est la même chose. Par contre, on doit modifier l'URL. En faisant quoi? Je vais venir au niveau de Postman. Comme ça, je clique ici dans Postman, sur ce bouton, pour sélectionner la méthode poste. Je vais sélectionner la méthode poste et j'active tout ça. Puis je copie l'URL. Je n'ai pas besoin d'action. Je copie cette URL-là. Je vais dire non, je vais mettre une main par cette histoire. Et pour vous copier ce qui reste, venez maintenant au niveau de votre projet React. Et je vais coller. Voilà. Maintenant, là où il y a les doufs, vous le remplacez par this.state, etc. Et pour comme on a tout ça, je vais passer jusqu'à là. Donc, nom égal, prénom égal, email égal, password égal, et je vais ajouter à la fin status égal. Une request option. Une request option n'est rien d'autre que la méthode post qui sera précisée par React en envoyant un format JSON. Au niveau de PHP. Après exécution, nous on a dit quoi, que dès qu'on insère dans la base de données, on doit récupérer au niveau de PHP un format résultat. Donc déjà on vide les champs. Ça c'est publier les champs du formulaire. Et après avoir vidé les champs également, on peut retrouver le résultat. C'est le résultat. C'est ça qui est récupéré comme résultat. Donc, déjà, de ce côté, c'est bon. Alors, si on veut même, en fait, on peut tester cette partie-là.
Ouais, je peux tester ça. Ah, je l'ai dit. Venez vous envoyer. On peut il va venir ce qu'il veut faire maintenant. Je vais venir au niveau de postman. Envoyer la méthode get. Je vais faire tout ça. Et je lui dis que je veux avoir le get pour voir est-ce que REC a inséré l'information que je viens d'envoyer. Très bien, c'est bien d'insérer ici, voici les informations que je viens d'envoyer avec le REC. Voilà, donc là, juste ça marche. Vite fait, on va gérer le reste de cette manière-là. 11 minutes, c'est tout seul. Donc je vais venir maintenant ici récupérer la liste. Et là. Donc je vais tout sélectionner. Hein. Je récupère la liste. Je viens ici. De comprendre ici je crois voilà. Et la liste également je dois faire la même chose je trouve une URL qui est là exactement comme c'est défini dans Postman et je viens pour coller ici. Ce qui fait que je vais récupérer une liste d'utilisateurs. Une liste d'utilisateurs. Cette liste maintenant, je vais en fait prendre ici. Ici, une liste qui sera affichée. N'oubliez pas, si vous faites ceci, n'oubliez surtout pas que je vais peut-être vous envoyer ici, c'est exactement ceci en fait, dans le postman. Liste ID, nom, prénom, email, password, status. Mais dans la liste, on ne va pas afficher le mot de passe. L'URL que vous voyez ici, slash user, get ID, c'est l'URL qu'on a défini ici au niveau de index.user. User, get, et.id. C'est cette URL-là. Et 2.id, c'est l'ID du populateur. Déjà, on peut tester la liste pour voir avec ça. Je clique ici. Là, vous avez vu que ça marche très bien. Les deux utilisateurs sont insérés, ils sont là. Voilà, ça va du fait 7 qui sont insérés. On en profite maintenant pour gérer la suppression et la modification. Rapidement, donc je vais prendre ici. Delete, ça y est là. Je prends le code. Très simple. Hein. Maintenant, grid, je veux qu'à chaque fois que je supprime, je charge encore des données avec l'URL qui est là. Je reviens ici au niveau de mon composant. Je colle. Composant est là. L'URL, il faut que je le change aussi. Hein. Donc, je viens au niveau de postman. De toute façon, le plus difficile est déjà fait. L'action, il faut que je modifie à 10 minutes. C'est l'ID aussi à supprimer. On a 6 la méthode de l'insuccès. Donc je copie ça. Dès que c'est copié, je viens ici dans mon code et je personnalise. Alors, c'est action. L'ID est égal à 1. Non, c'est pas 1, mais. C'est cette valeur-là. Alors, cette valeur-là, c'est quoi? Quand on clique sur l'un, regardez si je mets le curseur, regardez l'URL qui est là. L'URL qui est défini ici. Dès que je mets le curseur, je vois user slash 10 slash 3. Pour récupérer cette valeur 3, avec React, on dit 10, un propre, un match parent. On récupère l'ID. On descend l'ID récupéré. Et on supprime. Dès qu'on supprime, on récupère la liste. La liste est récupérée. Mais par contre, il y a une chose. Nous, on a dit que quand on supprime, on retourne tout ça dans notre processus. On a dit que quand on supprime, on retourne, on a dit, alors que ici, c'est une liste. Donc, je dois le retoucher en fait. Quoi. Après avoir supprimé, je dois retourner la liste des utilisateurs. Ça, on va le gérer après. Donc, je reviens maintenant ici pour intégrer édition. Tout ça.
vient ici dans Égypte. Alors, pour Égypte aussi, c'est un peu comme Adam, je dois juste ajouter ici status. Et puis, je vais ajouter également ici status. N'oublie pas aussi d'ajouter la moteur pour le rayonnement status. La modification, c'est ça. Ça, c'est dans les formes où je vais charger les données. Modification. On a un peu également pour la liste. Ça, c'est dans les formes où on fait une mise à jour. Donc, je dois appeler Edit. Pour la mettre mise à jour. L'action dans ce cas ici, c'est OK. Ici, c'est OK. Avec les valeurs. Donc, c'est souvent comme ici dans le code quand même. Il y a déjà ces valeurs-là. Donc, juste en fait l'ID et ces valeurs-là. Je prends l'erreur. Je viens de votre poste. Donc, c'est ça. Bien. Après ceci, ça maintenant c'est l'édition, l'édit, bot, aussi. Option ici, c'est bot, tout simplement. Ici, il y a un débat. Je vais vous mettre le bot. Action égale à ID égale à l'ID qui est sélectionné. Et puis c'est bon. Je peux tester. Donc je vais venir ici. Je clique sur éditer. Voilà. Dès que je clique sur éditer, l'ID va venir dans une charge là. Je vais venir mettre la liste. Le deuxième. Là, les données sont changées. Là, je peux changer. Le plan de 40 n'est pas valide. Oui, je vais mettre.
veux supprimer, pas clairement. Mais avant de le supprimer, parce que moi, je veux que c'est dès que je supprime, que je charge les données. Donc, je dois un peu toucher mon code PHP. Pour cela, il faut que j'ouvre le code PHP la même pour effectuer la modification. Voilà, donc en 1 minute, on peut le faire ensemble. Alors, ici, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'après avoir supprimé, vous avez vu ce qu'on a vu. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est qu'après avoir supprimé, qu'on affiche les données. Une deuxième fois. Donc, je vais prendre juste ça. Après avoir supprimé, on charge encore les données. Donc, dès qu'on supprime, on charge à nouveau les données qui sont dans la boîte. C'est bon, je peux directement tester ici, hein, parce que je sais que c'est bon. J'ai fait un troisième, un quatrième. Voilà, c'est ce qui est en charge. Voilà, donc vous voyez que, et aussi l'avantage des applications, ce sont des applications très rapides, et vous pouvez également, vous avez la possibilité d'intégrer un template, ça peut être hyper rapide à faire. Voilà, vous avez vu que si le développement, c'est pas trop lent quand même, si vous avez vraiment du code et vous connaissez un peu les principes, ça va très vite, très 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 vite même. Mais même là, on a même perdu du temps, hein. Si c'était avec un framework, ça allait un peu plus vite, quand vous n'avez pas à développer tout ça. Avec des annotations seulement, vous faites votre service et quelques configurations. Voilà, donc je pense que c'est bon. Heureusement qu'il y a la vidéo, donc vous avez tout. Vous avez bien suivi, je pense bien, et que la vidéo est